Vous étiez présent? Non, nous étions entendus à titre de témoin dans une autre affaire. C'est aujourd'hui que vous avez le procès contre ce kidnappeur. Comment il s'appelle déjà? Rotter. Rotter. Avez-vous encore cette affaire en mémoire? Oh, très vaguement, je veux dire. Trois brigands ont pris le directeur d'une banque en otage et le sang a coulé, c'est bien cela? Oui, Rotter a en plus assassiné la femme. Ah, avec une brutalité malsaine. Voyez-vous, l'affaire me met dans l'embarras. Il me semble qu'un autre avocat ferait mieux que moi. Pourquoi, maître? Parce que vous devez défendre un homme que vous savez coupable. Je connais bien trop la psychologie des hommes pour croire en celui-là. Aucun malfaiteur n'est tout blanc, grâce à Dieu. Cet homme n'a pas un sou d'humanité en lui. Je pense qu'il n'a aucune illusion sur les idées que je me fais à son propos. Ça lui est complètement égal, je suppose. Je n'en sais rien. C'est la première fois que je me heurte à ce genre de bandit. Il veut l'acquittement. C'est insensé. Vous voyez, une paille. Il est de cette sorte d'individu qui est prêt à tout pour être libre, mais c'est mon problème. Au revoir. Au revoir, maître Bowman. Il a la réputation d'un grand avocat. Oui, mais ça dépend des affaires. On est bon quand le procès est gagné, pour peu qu'on perde. Je crois que tous les avocats sont vulnérables. Les juges n'en tiennent aucun compte. Ils ne cherchent qu'à maintenir l'ordre. J'ai bien peur qu'il n'ait trop de scrupules. Il est trop sentimental? Oui, par exemple. Bonjour tout le monde. Bonjour, maître. Du neuf aujourd'hui? Votre femme a téléphoné. Ah. Elle voulait savoir si vous rentriez souper. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Que j'en doutais parce que vous deviez revoir votre plaidoirie. Oui. Veuillez la rappeler et l'avertir que je ne rentre pas, qu'elle soupe sans moi. C'est ce que je lui ai dit, maître. Est-ce que maître Strobel est là? Il est dans son bureau. Oui, oui, tiens, il vient d'arriver. Il a l'air de quoi? Comment ça, il a l'air de quoi? Ah, oui, d'accord. Excuse-moi. Oui, oui, si tu veux attendre. Votre fille, vous prenez la communication? Oui. Et qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé quel air vous aviez. Quel air veut-elle que j'ai? Celui de l'extraterrestre? Non, non, elle dit qu'à chaque procès, vous êtes un peu nerveux, que vous êtes absent, que vous avez tout du zombie. J'ai répondu qu'elle avait raison. Alors, Trésor? Oui, un peu là, je l'avoue, mon chou, mais j'irai te prendre. Attends-moi. Bon, je te repasse Trouble. Ah bon, entendu. À bientôt. Ça a été dur, non? Si. Alors, les preuves sont accablantes pour vous? Oui. Ligné serait donné un coup d'épée dans l'eau. Rotter a été sans conteste identifié et tous les témoins jurent qu'il était le seul sans masque. Alors, il n'y a pas à le plaindre, il l'a voulu.
Dites-moi, vous paraissez anéanti. Je dois le sauver, quoi que je pense. Faites-vous retirer le dossier. Il y aurait trop de problèmes. L'affaire ferait la une de toute la presse. Le bonhomme est bien trop connu. Le cabinet de Maître Bowman est lui aussi très connu. Seulement moi, j'ai la sensation d'avoir l'âme de Faust. Voulez-vous vous repencher sur l'affaire? Essayez de trouver des arguments. Pourquoi? J'irai chercher votre fille à votre place. Non, vous êtes gentil. Je lui ai promis. Seulement, il faut que je revoie ma plaidoirie avant de partir. Si j'étais vous, je laisserais tomber. De toute façon, vous travaillerez mal, j'en suis convaincu. Vous avez raison. Ce sacré rôteur porte la guigne à tout ce qu'il touche de loin ou de près. Oui, ça c'est logique. C'est une bête dangereuse. Vous songez encore à plaider une absence totale de preuves? Oui. C'est ce que je fais à chaque fois. Ça marche souvent. Seulement cette fois, je me casse les dents. Bon, tu es venu quand même. J'aurais juré que tu enverrais Strobel. J'aurais préféré que ce soit lui. La suivre, as-tu envie de revoir un peu de lumière? Et c'est moi, ta lumière? Tu plaisantes? Non, c'est bien toi. Et nous allons fêter ça en allant boire quelque chose. Est-ce que je peux t'offrir un verre? Tu sais que tu m'intrigues beaucoup. Oh, il n'y a vraiment pas de quoi. Oh, je sais porter un jugement, tout comme maman. Je l'entends encore dire, ton père est capable de se comporter assez étonnamment. Tu veux que nous parlions de ta mère? Bon, on a 20 minutes à nous. Tu reprends la voix de l'avocat qui est tout le temps en train de regarder l'heure. Allez, viens. Allez, vas-y, soulage ta conscience. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qui s'est passé, hein? Tu as l'air totalement absent. Oui. Je ne dirais pas le contraire. C'est l'affaire que je traite actuellement. Rotter. Je cherche comment je pourrais faire pour le sauver. Et je ne sais pas. Je n'ai plus la moindre petite idée. C'est normal, il a tué une femme, je crois. Oui, je me souviens. Un banquier pris en otage. Le directeur d'une banque. Ben oui, c'est la nuit qu'il avait emmené le banquier. Et sa femme qui avait appelé a été tuée. Mais j'aimerais bien qu'on ne parle pas de tout ça. Comment marche l'espagnol? Ça t'intéresse? Mon professeur ne tarit pas d'éloges. Il dit, gardez l'accent allemand, il enchantera tous les gens que vous rencontrerez. Est-ce que tu veux dire qu'il vous donne l'accent allemand de façon à ce que vous amusiez le monde entier? C'est ce qu'il dit. Je te donne un conseil. Toi, garde ton accent. Ton prof a sans doute raison. C'est très bien de conserver sa personnalité. Et travaille, sinon j'en informe Strobel. T'es idiot. Alors, qu'est-ce que vous avez à rire comme ça? Maman, écoute un peu, papa m'a payé un verre. Oh, mon Dieu, vous avez arrosé un événement que j'ai oublié. Non, non. Ou alors, tu as des ennuis au tribunal. Boire pour le plaisir, ça n'existe pas? Je monte travailler dans ma chambre. C'est ça. Bon courage. Au fait, papa, t'as pas besoin de te déranger pour aller avertir Strobel de mes gestes? Strobel. Oui, très cher maître, tu es aveugle ou quoi? Pourquoi? Ingénu. Laisse ouvert, il va falloir que je sorte. Entendu. Où est-ce que tu vas? Je dois aller faire des courses. Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour manger? Ce que tu veux. Tu sais, ça aide une maîtresse de maison de savoir ce que son mari veut manger. Des petites côtelettes. Où as-tu trouvé cette idée de petites côtelettes? Mais ça ne s'affichera rien, la question déclenche la réponse. Tu me demandes ce que je veux, je réponds à des côtelettes. Que fait Roberta? Elle est chez elle travaille son espagnol. Ah oui, son espagnol. Dis-moi, il faudra qu'on reparle de M. Strobel. Salut! Salut! Thank you.
l'impression d'un dialogue de sourds. Le tribunal demande à y voir clair dans une situation embrouillée. Les questions fugent de tous les côtés à la fois et les décisions doivent être prises en quelques secondes. Ce que je dis est faux. Non, non, c'est très juste. L'atmosphère est chargée d'une nervosité qui est près d'éclater. Et très souvent à cause des victimes. Et ces messieurs du jury réagissent à tout ça. Je le note dans le rapport. Non, non. Il faut trouver un atout maintenant. Ah oui, il serait temps. Pourquoi ne pas soutenir l'hypothèse que Rotter s'est probablement paniqué quand la femme a crié? Cet homme avait sûrement les nerfs à fleur de peau. Alors il a sorti son arme et ensuite, par réflexe, il a tiré sur elle. Une arme avec un silencieux. Ce qui prouve la préméditation, la lucidité, et sûrement pas un réflexe malheureux. Je pense que Rotter a suivi à la seconde près un plan bien arrêté. Il traîne le banquier devant le corps de son épouse, c'est pour l'impressionner, je suppose. Quand il se rend compte que ça ne sert à rien, il crible le cadavre. Pas une balle, non, trois balles, quatre balles, cinq balles. Alors, je vais vous dire tout de suite. Et si dans votre plaidoirie, vous leur parlez de panique, ils vont vous rigoler au nez. Il y a mieux à trouver? Je n'en sais rien. Vous croyez? No sé por dónde vamos a llegar si seguimos a este paso. No sé por dónde vamos a llegar si seguimos a este paso. Salut. Je dois remettre un paquet. Qu'est-ce que c'est? De la part du directeur Reuter, c'est moi le chauffeur. J'arrive. Tenez-le. Alors, fini? C'est pas un chef-d'œuvre. Vous vous torturez trop. Je crois que l'articulation se tient. Salut, c'est moi. Roberta? Tu es dans ta chambre? Que je n'ai pas tiré l'essentiel des témoins. C'est difficile d'en juger. Dans la nuit, on ne voit rien. J'aurais dû essayer de les pousser à dire qu'ils étaient sûrs de rien. Maître Bowman ou Strobel? Et pourtant, ce couple avait l'air d'être d'une bonne foi totale. Maître Bowman? Oui, qu'est-ce que c'est? Votre femme. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Où est-ce que tu es? À la maison? Tu appelles pour ça? On est passé la prendre. Sans doute un camarade. Elle en a trop, à mon goût. Jamais elle ne sort sans rien dire. Tu sais qu'elle laisse toujours un mot. Et cette fois, je n'en ai pas trouvé. Oui. Oui, entendu. Au fait, je t'ai rapporté tes petites côtelettes. Mon Dieu, mais pourquoi as-tu rapporté des petites côtelettes? Oh, c'est pas vrai. Bon, d'accord, c'est délicieux. C'est Roberta qui l'inquiète? Oh, il n'y a pas à s'inquiéter. Elle a quitté la maison sans dire où elle Vous était partie. Maître Bowman ou Strobel? Toutes les mères s'affolent pour rien. Maître Bowman? Oui? J'entends une voix anormale ou bien une voix déguisée qui sonne faux. Une voix déguisée volontairement. Quoi? J'enregistre, c'est plus prudent. Oui. Gardez votre calme. Oui, je vous écoute.
Oui, je suis Bowman, j'écoute. Qui est là? Oui, mais je n'entends rien. Parlez donc plus fort, je n'entends rien. Quoi? Je répète, nous avons enlevé votre fille. Elle est condamnée à mort si vous ne suivez pas nos instructions. Si vous alertez la police, je vous préviens que votre fille sera torturée. Vous entendez, obéissez, c'est sa seule chance. Qu'est-ce que vous voulez? On parlera de ça plus tard. Et surtout, pas de question de police. Écoutez. Papa! Trop bien. Vous croyez que c'est un dingue? Non, c'est un rapt en règle. C'est tout sauf un dingue. Qu'est-ce que c'était? Il est manifeste qu'on a affaire à un enlèvement classique. Pourquoi? À quoi sert que Roberta soit enlevée? Je comprends pas. Ça, j'en ai aucune idée. Mais ça n'a pas de sens, à première vue. L'argent? Enfin, vous n'êtes pas un milliardaire. Non, il y a autre chose. Ça n'est pas une question de rançon. Alors qu'est-ce que c'est? Mais ils vont rappeler, ils vous l'ont dit. C'est insensé. Ils pourraient dire tout de suite ce qu'ils veulent. Police. Derrick. J'ai confiance en Derrick. Non, c'est le seul qui pas. Puisse m'aider. Non, réfléchissons une minute. Mais vous êtes fou, vous avez entendu. Ben, naturellement, j'ai entendu et j'ai compris qu'on n'a aucune chance si vous alertez les flics. Non, faisons les morts. On obéit, ils vont nous rappeler un peu plus tard. Et surtout, on ne dit rien à personne. C'est compris? À personne. Oui. Vous aussi? Oui, bien sûr, je vous en donne ma parole. Que nous avons raison, Strobel. On n'en sait rien, mais avertir la police, c'est prendre un gros risque. Non, attendons de savoir ce qu'ils veulent. Ma femme, il faut que j'appelle tout de suite. Non, c'est encore trop tôt. Patientez. Attendez encore. Deux heures. Déjà deux heures. Ça a duré longtemps. Strobel. Je n'envisage qu'une seule hypothèse. Il y a certainement un rapport avec l'affaire Rota. Oui, en réfléchissant, c'est la seule éventualité. Faire pression sur vous. Vous contraindre à faire quelque chose. Seulement, allez savoir quoi. Répondez, maître. Allô? Oui, ici, Bowman. Qui me prouve que vous êtes Bowman? Le son de la voix, je ne déguise pas ma voix. Vous avez prévenu la police? Non. Vous avez bien fait, parce que votre fille risquerait de ne pas s'en remettre de sitôt. Alors allez-y, dites-moi ce que vous voulez. Rentrez chez vous tout de suite, on vous rappellera. Je vous passe quelqu'un. Papa, c'est moi! Je suis trop belle. C'est pas compliqué pour l'instant. Allez-y, rentrez chez vous. Mais pourquoi ils ne me disent pas ce qu'ils veulent? J'en sais rien. En tout cas, pour le moment, je suis soulagé. Il faut faire ce qu'il vous a dit. Rentrez chez vous tout de suite. Vous allez me laisser tomber? Strobel, venez avec moi. Madame Zeina. Eh bien, je ne sais pas. Monsieur Stoll, j'ai besoin de vos conseils. Non, il ne faut pas s'énerver. Vous en avez de bonnes. Votre maison est certainement surveillée. Surveillée? Et si ça n'est pas le cas, pourquoi vous dire de rentrer? Supposez qu'il veuille vous isoler. Et alors, qu'est-ce que ça change? On va manœuvrer en conséquence. Vous rentrez chez vous tout de suite. Oui. Moi, je vous suis dans ma voiture. Et j'emmène Mme Zeiner et M. Stoll. Ça ne vous ennuie pas? Non, je téléphone et je dis qu'il y a un dossier qu'il faut que je termine. Et vous, M. Stoll? Oh, chez moi, il n'y a plus personne. Bon, très bien. Il y a un bistrot au coin de la rue, tout près de chez vous. J'y vais parfois avec votre fille. On attendra là, mais informez-nous de ce qui se passe. Oui, entendu. Enfin, tu te décides à rentrer. Walter, tu sais que Roberta est sortie et qu'elle n'est pas allée au cours.
J'ai peur, je ne sais pas pourquoi. Si elle ne nous donne pas de nouvelles, c'est qu'elle doit avoir une raison. Mais laquelle? Bonsoir, maître. Bonsoir, Wirt. Vous n'êtes pas avec maître Bowman? Non, je t'amène des amis. Par ici, installez-vous. Vous préférez là? Eh oui, c'est mieux. Vous dînez? Non, peut-être plus tard. Dans ce cas, il fallait appeler la police tout de suite, voyons. Derrick, on doit pouvoir le joindre. Où est son numéro? J'y ai pensé, tu t'en doutes. J'ai pensé à lui tout de suite, Derrick. Mais Strobel m'a dit d'attendre pour savoir ce qu'il voulait. Notre enfant, Elvira, est entre les mains de fous. Eh bien, justement. Alors, où est ce numéro? Prenons le temps de peser le pour et le contre. Pas de panique. C'est tout pesé, il faut agir tout de suite. Oui? Non, non. Non, c'est pas encore son heure. Oui, je ferai la commission. Ah, c'est affreux d'attendre ici. Et si on donnait un coup de fil? Surtout pas. Il faut pas. Évitons de bloquer la ligne. Ne nous énervons pas. Dans pareil cas, le vainqueur est celui qui ne s'énerve pas. J'ai toujours été dans des bureaux de grands maîtres du barreau. Ça fait une trentaine d'années. Je peux dire que je commence à avoir l'habitude. Bonsoir, maître. Merci de vous être dérangé. Je passe devant. Je vous suis. Téléphone! Allez-y en vitesse. Vous avez un ampli? Oui. Bowman, j'écoute. Sur le rebord de la fenêtre, à côté de la porte d'entrée, vous trouverez un paquet. Où est-ce que c'est? Dehors. Vous recevez souvent des cadeaux de ce genre? Qu'est-ce que ça peut cacher? Oh, je suppose. Le mode d'emploi va suivre. Alors, il faut patienter. Ouais. Bowman, j'écoute. Maître Bowman? Oui, maître Bowman. J'espère que c'est bien vous. Pas d'entourloupette. C'est bien moi, voyons. Vous avez trouvé le pistolet? Oui, j'ai trouvé le pistolet. Voici les instructions. Avant l'audience de demain, je dis bien avant l'audience,
vous demandez à parler à Rotter, en tête à tête. Dès que vous êtes seuls tous les deux, vous lui filez le flingue. Après, c'est plus vos oignons. Mais je n'ai aucun droit. Pas le droit de quoi? D'apporter l'arme, de la remettre à mon client, je serais rayé de... Ah, on a du mal à comprendre. Vous devez lui passer le flingue. Cachez-le sous votre robe ou dans vos dossiers, comme vous voulez, du moment que personne ne le voit. Vous vous débrouillez comme vous voulez. La seule chose importante, c'est que notre copain ait l'arme. C'est compris? Écoutez... Donc, taisez-vous, j'ai pas fini. Si on vous soupçonnait, vous jurerez que vous n'y êtes pour rien. D'ailleurs, personne ne vous en croira capable. Rotter doit s'évader. Et tous les moyens sont bons. Attendez une seconde. Papa, si tu n'obéis pas, il faut... Certaines méthodes ont fait école. Oui, mais je ne ferai pas ça. C'est démentiel. Derrick, Elvira, ce sont des fous dangereux. Je dois apporter une arme à ce monstre. Il sait qu'il sera condamné. Ce qu'il veut, c'est fuir. S'il est armé, il va faire un carnage. Oui, c'est aussi ce que je crains. C'est effroyable. D'un côté, un massacre, et l'autre, ma fille. La mort, ils ne comprennent que ça. Qui puis-je, Derrick? Il n'y a aucun problème sans solution. Calmez-vous. Avant demain, nous avons encore un peu de temps. Oui? Oui, oui, il est là. Ici Strobel, oui. Au bureau de Derrick? Oui, oui, bien sûr, entendu. Non, on va partir tout de suite. Oui, merci. Mauvaise nouvelle, maître? L'addition. On va à la centrale fond de train, au bureau de Derrick. Que s'est-il passé? Ils viennent de retéléphoner, je ne sais rien d'autre. Maître Strobel. Ah. Mais il faut que je reste chez moi, près du téléphone, parce que s'ils appellent... Maître, je vous l'ai déjà dit, nous pouvons faire une dérivation de ligne et la brancher sur le bureau. Harry, occupe-toi de la ligne, tu veux? Qu'est-ce que c'est? Une sorte de branchement? J'espère que c'est discret. Oui, très discret. Harry, une minute. Écoute-moi. Oui? Patiente ici quelque temps pendant que Bowman et moi arrivons au centre. Je vais demander la dérivation de sa ligne et vous viendrez nous rejoindre. Surtout, vous prenez la même route que nous. D'accord. Ah, autre chose. Laisse toutes les lumières quand tu quitteras la maison. Maître. Salut, Derrick. Je suis tombé du lit à cause de toi. Tu vas examiner ce revolver. Les empreintes sont les miennes. Ça pouvait pas attendre demain. Question de minutes, alors tu vas faire vite, d'accord? Tu n'es pas tout seul cette nuit? Non, les autres sont en route. C'est parfait. Ça t'embête de me dire ce qui se passe? Un enlèvement. Ah bon? Allons-y. Entrez, maître. Veuillez vous asseoir. Où est-ce qu'on t'a récupéré? Au ciné, un merveilleux film d'horreur. Je saurais pas comment ça finit. Alors je fais quoi? Rassemble les dossiers de l'affaire Rotter, surtout les dépositions des témoins. Rotter, c'est quoi ça? Voici Maître Bowman, il t'aidera. Je vous en prie, maître, chargez-vous de ce travail, d'accord? Bonsoir, la baraque est en train de brûler. Bonsoir, Zobar. Regarde-moi ça. Ce bout de papier? Oui, oui, ce bout de papier a déjà servi. L'adresse est grossièrement arrachée. Il faut faire parler ce qui nous reste. Le central, on vient d'arriver. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Un pistolet. Il te faut les résultats tout de suite, au milieu de la nuit. Oui, et alors, où est le problème? Mais je peux être dans les temps qu'avec mon équipe, et c'est pas sûr que je trouve tout le monde. Écoute, une jeune fille vient d'être kidnappée. Nous devons la retrouver demain matin, 9h au plus tard, même avant si possible. Est-ce que écoute, c'est clair? J'ai pas le temps de je souhaite qu'elle en vaille la peine. Convoque tes gars et dis-leur de se grouiller. On lutte contre la montre. Allez, on vas-y, est tous là? Oui, oui. D'accord, d'accord. On est une grande famille, alors je vais les appeler. Non, 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 ça c'est mon téléphone. Non, laisse aussi celui-là. Téléphone d'un autre bureau. Excusez-moi. Écoute, l'affaire Rotter au bureau K2. Alors téléphone et demande-leur les clés. Mais débrouille-toi, je veux pas le savoir. On en a un besoin urgent. Bon, à tout de suite. Oui, tous les appels, tu les dérives dans ma direction. Oui, sur notre ligne directe.
Entrez. C'est ça. Hein, bonsoir, Derrick. Bonsoir, patron. On m'a raconté l'histoire en gros. Je suis venu en vitesse. Oh. Un enlèvement. Oui. Maître Bowman. Bonsoir et merci, monsieur le directeur. Ma fille a été kidnappée. Mon Dieu. Excusez-moi, voici maître... Strobel. Strobel? Mon associé. Mes collaborateurs étaient là quand a eu lieu le premier appel des ravisseurs. On est venu à toute vitesse. Vous avez du nouveau? Derrick, une question. Vous croyez qu'il est utile que tous ces gens soient là? Oui, ça peut être utile. C'est ça, vous lui dites de se grouiller. J'ai besoin de lui. Ils ont exigé que je lui apporte une arme avant l'audience de demain matin. C'est pas vrai, ça. Et Roberta? Elle a parlé je ne sais pas d'où. La déclaration du banquier est là. Lorsque j'ai ouvert la porte, elle fut poussée avec violence, une violence telle que je suis tombé sous le choc. J'ai été assez sérieusement blessé. Quand j'ai repris conscience, j'ai vu trois hommes masqués, tous armés de pistolets de fort calibre. On m'a dit, ne crie pas, ne bouge pas, ne dis rien ou tu es mort. Ils m'ont conduit vers la chambre à coucher. Ma femme est apparue à la porte. Ils l'ont poussée à l'intérieur en aboyant, pas de cri, pas un geste. Ensuite, ils m'ont ordonné de m'habiller. Je devais prendre les clés de la banque et les conduire jusqu'au coffre. Soudain, ma femme s'est affolée. Pourtant, ce n'était pas son genre. J'ai été surpris, mais je n'ai pas pu intervenir. Tout à coup, elle a hurlé, « Vous n'avez pas le droit, laissez mon mari tranquille. » Elle a arraché la cagoule de l'un des gangsters, une sorte de passe-montagne comme en portent les skieurs. J'ai vu le visage d'un des trois hommes. Ma femme, hors d'elle, s'est mise à donner des coups de poing à l'homme au visage découvert. C'est à ce moment qu'il l'a froidement abattu. Entre parenthèses, le témoin a une crise de nerfs. Ne poursuis pas cette lecture. Mais pourquoi? Je connais le dossier. Le banquier s'est mis à avoir de très graves convulsions. C'est exact, c'est consigné. C'est pour ça que l'audition a été interrompue sur avis d'un médecin. Maintenant, vous saisissez la cruauté de ces gens. Surtout celle de l'accusé, Rotter, qui a tué une femme parce qu'elle l'avait démasquée et qu'elle l'aurait reconnue. Et qu'est-ce qu'a dit le banquier sur les autres? Il les a décrits que superficiellement, sans fournir de détails. Seulement, si on veut retrouver ces hommes, il faudrait une description qui soit moins superficielle que ça. J'en ai une là. Homme de taille assez moyenne, 1,75 m environ. L'un avait une petite moustache blonde qui était assez visible malgré le masque, rien d'autre. Un couple les a vus? Oui, les trois hommes ont obligé le banquier à descendre par l'escalier, par la manière forte. Ils ne pouvaient plus tenir sur ses jambes. Le banquier était faible et ils ont dû le traîner. C'est de cette façon qu'il est descendu. Il poussait des hurlements. Assassinez-moi aussi. Sur le seuil de la porte, ils ont rencontré un couple, des habitants de la maison. Vous avez leur nom? Oui, c'est le couple Reuter. Oui, c'est cela. Sous menace de mort, on les a tenus en respect quelques instants. Et puis? Trois hommes armés, le couple, deux témoins dans la rue qui leur compliquent les choses, mais qui les laissent tranquilles. Et puis le banquier, lui aussi, est abandonné par les gangsters. Ils s'enfuient tous. Qu'est-ce qu'a dit le couple sur les gangsters? D'après le couple, Rotter a pu être identifié. C'était le seul qui n'avait plus son masque. Seulement les autres... J'ai quelque chose plutôt svelte, élancé. L'un des voyous aurait les avant-bras velus, des poils bruns. Et Madame Reuter aurait remarqué un tatouage dont, malheureusement, elle ne peut faire de description. Il parlait avec un accent. Et c'est tout ce qu'on a. Avec ça, les dons les retrouver. Il faudra un hasard. Oh. Oui, la nuit va être longue, Derrick. Je reviendrai vous voir demain matin. Enfin, je vais dire tout à l'heure. Bonne nuit. Rotter est divorcé. Il vit seul, il n'a pas de famille. Mais il doit bien avoir des relations, il doit avoir des amis, il doit certainement en avoir. Vous n'avez pas de nom, pas d'adresse. Voyons, les amis de Rotter, tous des criminels. Ouais, sans doute. Mais on n'a rien trouvé à leur sujet. Depuis des années, on n'a plus rien sur eux. Harry, tâche de me trouver ça quelque téléphone, part. Téléphone, Derrick. Qu'est-ce que c'est? Tu as le Lomar, nom? Lomar, est au téléphone. Bon, si c'est lui, je le prends. Donnez-lui le moindre nom, le plus que vous pourrez. Voilà. Oh,
Ah, c'est pas de la tarte, tu sais. On essaie de reconstituer l'adresse. Nous avons pu trouver quelques lettres. Oui. Oui, je t'écoute. Je vais prendre note. Un B. Mm-hmm. Oui, ensuite, il en manque une. Un CH. Ensuite, un trou, tu n'as pas trouvé. Ouais. Un R. Ah, ça a l'air d'être un nom de rue, peut-être. Attends une minute. On vient de me donner, là, des chiffres. Un 7. Et on croit à un 2. Ouais. Ouais, c'est bien noté. Vous continuez. Essaye de me trouver des noms. Non, ça tu laisses tomber. Non, continue. C'est excellent. Je sais que tu fais pour le mieux. Tout ça est excellent. Salut. Harry, tu veux venir? Est-ce que vous voulez du café? Prenez une tasse. Non, merci. Je vous sers une tasse de café. Oui. C'est ce que Zobar a réussi à identifier. Il y a trois lettres avec un chiffre. Essayez de voir ça. Entendu. Ils ont trouvé quelque chose sur le papier qui emballait le pétard. Monsieur Derrick. Oui. Dans nos dossiers, il s'est avéré que l'ancienne femme de Rother habitait à Munich. Vous êtes sûr? Oui, regardez. Willy, tu as entendu? Amène-toi. Tu me cherches cette adresse-là. C'est la femme de Rother. Annegret Rother. Allez. Uh-huh. Écoute, Derrick, l'arme est répertoriée par le service. Elle a servi il n'y a pas longtemps, oui. Dans un petit règlement de compte dans le milieu. On me donne le dossier. Je savais qu'on finirait par trouver quelque chose. Oui, c'est d'accord. 2 heures. Non, c'est rien. Continue, à tout à l'heure. Ronald disait à l'instant que l'arme est répertoriée, qu'elle a servi dernièrement dans un règlement de compte. Hmm. Tu profites de l'occasion. Ça peut nous aider. Si nous apprenions quels sont les gens qui ont participé à la fusillade, oui. L'ancienne femme de Rother. Nous avons son adresse. Et où est-ce? À Zendling, à 10 minutes d'ici. Est-ce que j'y vais? Tu crois que c'est risqué? Oui, en pleine nuit, à 2 heures du matin, c'est imprudent. Où en est-on avec le papier? On a essayé de compléter le nom et ce ne peut être que Barreur à la fin du nom, comme Zé Barreur, Owen Barreur. On le risque. J'ai peur. Moi aussi. J'essaie que ça ne se voit pas. J'ai eu tort. Elvira. J'ai eu tort. Jamais je n'aurais dû appeler la police. Il fallait le faire. S'il arrive quelque chose à ma petite fille, jamais je ne me consolerai. Je vais aller la voir. Elle connaît bien Rother et connaît son entourage. Ils sont divorcés, elle ne le porte sans doute pas dans son cœur. Qu'est-ce qu'il y a avec Madame Rother? Il y a un risque important. Quel genre de risque? On ne sait ni comment elle vit, ni avec qui elle vit. Peut-être vit-elle avec un des hommes qu'on recherche. Bon, je vais y aller. Pourquoi toi? Excusez-moi. Puis-je aller avec vous? Non, ne m'embêtez pas avec ça. Harry, ne bouge pas, il faut penser à cette histoire d'adresse. Tu vas rappeler Zobar. Peut-être ont-ils pu en savoir davantage. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, si jamais il s'agit d'un moment, veux-tu? Avez-vous toute la procédure en tête, tous les dossiers? Oui, bien sûr. Très bien. Alors? Je dis, si jamais c'est Zobar. Écoutez, vous allez venir avec moi, vous pouvez m'être utile. Bon, je t'écoute. Mais elle est trop courte. Qui est courte? Ben, Zobar. Elle ne va qu'au numéro 56. Et le dernier chiffre est un 7. Ça laisse 4 maisons, le 17, le 27, le 37 et 47. Tu as fait demander les adresses à la centrale? Oui, c'est déjà fait. Bien, allez, Harry. Oui. Dis donc, Ronald, est-ce qu'il continue ses recherches sur l'arme? Oui, il continue. J'ai horreur de te laisser tout seul. Vous venez? Avons-nous encore une chance? Il est déjà près de 3 heures. Qu'est-ce qu'on peut trouver à cette heure? Qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je n'en sais rien. Moi et Roberta, oui, je sais, ça n'intéresse pas les flics, mais j'aime cette jeune fille. Alors, il ne faut pas vous désespérer si tôt.
Annegrette Rotter. Aucun autre nom. Ah, on a peut-être la chance avec nous. Mettez-vous là. Attention. On risque le coup. Il est là, vous êtes dingue ou quoi? Je viens au sujet de votre mari. C'est une plaisanterie. J'ai pas de temps à perdre avec lui. Brigade criminelle. Je sais lire, j'ai compris. J'aimerais bien savoir ce que vous me voulez. Vous venez au sujet de Rotter, hein? Oui, je suis l'inspecteur d'Eric, brigade criminelle. Et voici Maître Strobel, il est avocat. On voudrait parler de votre ancien mari. À 3 heures du matin. Oui. Il faut que ce soit urgent. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'est suicidé? Pourquoi dites-vous ça? Parce que c'est un type qui ne supporte pas d'être en tôle. Et il risque d'y passer un certain temps, j'en suis sûr. Un moment, le verdict ne sera pas rendu avant demain. Non, je voulais dire ce matin. Allez-y, je vous écoute. Vous êtes seul dans l'appartement? Vous voulez voir la chambre à coucher? Oui. Vous, vous commencez doucement à me les casser. C'est ma fille qui roupit à côté et il n'y a personne d'autre. Quel âge a votre fille? 6 ans. Madame Rotter, j'aimerais que vous acceptiez de venir avec nous au commissariat. Vous aimeriez. Et moi, j'aimerais savoir si vous avez le droit... Non, non, naturellement, je n'ai pas le droit, mais il faut sauver une vie humaine, la vie d'une jeune fille, et nous n'avons que très peu de temps. Disons que nous avons jusqu'à 9 heures. Madame Rotter, emmenez votre fille avec vous. Et oui, elle peut continuer à dormir chez nous. Mais dites-moi... Rotter a quelque chose à voir dans votre histoire de fou. Oui. Mais il est en tôle. Oui. Écoutez-moi, la fille qui est concernée est la jeune enfant de son avocat. Et Rotter l'a fait enlever. Mais il n'a aucune raison de faire ça. Son avocat devra ce matin, avant l'audience, demander à le voir et lui remettre un revolver. Ma poulette, lève-toi. Oui, ici Berger. Oui, oui, je cherche toujours. Il ne reste plus que ça à faire. Oui, je sais. Ouais. Et 3h30. Non, jamais le temps. Garde ton sang-froid. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Quoi de neuf, Straub? Voilà, tu vas dormir. Nous avons amené Madame Rotter. Derek est en train de l'interroger. Mais ça, c'est la fille de Madame Rotter? Ouais. Et que fait-elle ici? Donnez-la à moi, je m'en occupe. Quoi, c'est la gosse de cet assassin? Comment s'appelle-t-elle? Aucune idée, je crois que sa mère l'a appelée Poulette. Allez, viens, ma Poulette. On va l'allonger pour qu'elle dorme. Ah non, c'est ma place, là, je pense que... Pardon? Bon, allez-y. Allez-y, je vous en prie. C'est un comble de dorloter cette gosse. C'est pas elle qui risque sa vie. Je suis désolé. Oh, j'ignore de qui il peut s'agir, moi. Il avait des quantités d'amis, beaucoup trop, selon mon opinion. Des quantités de copains, et je ne sais même pas si je me souviens de tous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les noms. Tous, 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 tous. Willy, viens par ici. Vous pouvez pas arrêter de fumer, non? Vous voulez empoisonner cette petite? Stéphane. Quoi? Je crois qu'on tient l'adresse. 17 Zebacher. Cette adresse vous dit quelque chose? Non, rien du tout. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que je vais y aller. Oui, c'est ça, vas-y. Non, non, attends, Harry, reste là, j'ai besoin de toi. Je veux savoir ce qu'il y a à cette adresse. Oh, d'accord, vas-y tout de suite.
Seulement, ne fais aucune imprudence. Non, je prends deux gardiens. J'ai aussi horreur de te laisser tout seul. J'ai obtenu les dossiers du LKA sur la fusillade de la gare de l'Est. Tu veux regarder? Ah, tu parles. C'est le téléphone de Bowman. Ah, attends-moi. Que tout le monde le boucle. Monsieur Bowman. C'est un appel sur votre poste. Non, non, il faut répondre. Allez, venez. Répondez. Écoutez une seconde. Vous leur dites que vous dormiez. Compris, vous dormiez. Si ce sont les ravisseurs, tout est en ordre. Vous ferez tout ce qu'on vous demandera. D'accord? Alors allez-y, maintenant, répondez. Ici Bowman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez mis tant de temps? Je suis désolé. C'est pas une excuse. Vous n'êtes pas relié avec la police. Non, non. Parlez plus fort. Non, non. Vous allez abandonner la défense. Vous simulerez un malaise pour faire diversion. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais avant l'audience, vous aurez remis l'arme à Rotter, d'accord? Oui. Vous avez entendu. Je dois abandonner la défense. Derrick, je crois qu'il peut y avoir une solution. Laquelle? Je lui remets le revolver. Non, laissez-moi finir. Sans munitions, ou avec des balles à blanc. Et on laisse cet homme s'enfuir. De cette façon, nous pouvons être tranquilles. Derrick, vous voulez que je prononce l'arrêt de mort de ma fille? Qu'est-ce que vous en pensez? On n'a plus le temps, voyons. Vous le savez, nous n'avons plus le temps. Nous n'avons plus le temps d'agir. Il faut que je réfléchisse, maître. Faut des nerfs solides. Je vais jeter un coup d'œil au dossier. Harry, tu vas foncer. Et vous, vous nous donnez des noms, madame. Tu viens, Billy, tu prends des notes. Oui. Alors? On vous écoute. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Pourquoi vous ne faites pas ce qu'il vous a demandé? Laissez donc Rotter s'enfuir. Arrêtez de discuter et donnez-moi des noms. Le laisser s'enfuir, c'est prendre trop de risques. Il peut arriver un accident. La moindre bévue peut être dangereuse. Pour qui? Pour Roberta Bowman. Donnez-moi des noms, je vous en prie, comprenez. J'ai besoin des noms des amis de votre mari tout de suite. Je crois que vous êtes fou, vous savez. Je sais, seulement vous devez m'aider. Excusez-moi, vous habitez là? Ouais, pourquoi? On est au 17 de la Zébarreur. Ah, c'était le 17, ça a été démoli il y a un an. Qu'est-ce que vous cherchez à 5h? Je suis inspecteur de police, ça vous suffit? Connaissez-vous quelqu'un qui est habité là dans le temps? Oh, si vous croyez que je peux m'en souvenir. Bon, alors vous venez avec moi au commissariat. Vous êtes drôle, je suis au boulot, moi. Alors essayez de vous rappeler, très vite. Vous voulez que je me rappelle des gens? Ah! C'est les noms de personnes soupçonnées d'avoir été à la fusillade et qui ont été interrogées. Parce que leurs armes correspondaient. Si. Il y a six noms. Oui, et tous innocents. Vous ne savez même pas pourquoi on les questionnait. Oui, oui. Mais attends. Voyons. Épluchons ça. Voilà les noms de plusieurs personnes qui étaient soupçonnées dans la fusillade. Si on les comparait avec. Avec les noms de la liste que nous a donnée Mme Rotter, on pourrait peut-être voir s'il y a des amis de son ex-mari. On aurait une chance d'être près de la solution. Mais bon sang, Derrick. C'est l'œuvre de Christophe Colomb, votre truc. Vous avez regardé par la fenêtre. Puis fait déjà jour. Oui, je sais. C'est
Stéphane Walter? Non. Michael Schwarzmann? Non. Klaus Gellisch? Non. Si. Gellisch, les deux fois? Ben alors, c'est peut-être lui. Il peut y avoir un rapport direct entre ce monsieur et le revolver. Gellisch. Alors, Maître Baumann, connaissez-vous ce nom? Gellisch? Non. Gellisch? Gellisch. Ah, maman, j'ai quelque chose. Je viens de le lire à l'instant. Je vais le retrouver. Mais dans ce cas, on a presque réussi. Hein? Oh, ce n'est pas encore gagné. Stéphane? On est là, Harry. Le 17 de la Zébarreur est démoli. Un voisin s'est souvenu de quatre noms. Schulz, Lostner, Hamann et Schneider. Ils correspondent aux listes? Non. Schneider? Vous connaissez cet homme? Alors? Schneider avec un T. Oui, un T et A-I. Ça me rappelle une vieille affaire. On a eu un client qui s'appelait Schneider avec un T et A-I. Vous vous souvenez? Non. Une vieille affaire assez compliquée, vous l'en aviez sorti. Schneider? Maître Baumann, Rotter vous avait demandé de le défendre. Comment vous a-t-il connu? Je n'en sais rien. C'est peut-être Schneider qui lui a parlé de nous. Et ce Schneider, vous savez où il habite? Non, je regrette. Tout ce que je sais, c'est qu'il avait un magasin de photos. Un photographe? Derrick? Oui, qu'est-ce qu'il y a? L'adresse de Gellisch, ça t'intéresse? Allez, envoie. Je la tiens. Espérons qu'il est toujours à la même. Ça colle avec celle de la liste? Oui, c'est toujours la même. Écris-moi ça sur un bout de papier. Mon Dieu, Monsieur Stoll, et si vous aviez raison? J'ai une mémoire infaillible pour les noms des vieux clients de la maison. Entrez. Bonjour, messieurs. Alors, ça gaze? Je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Je comprends ça. Vous n'êtes pas le seul, je crois, patron. Nous avons un nom, nous avons aussi une adresse. Gellisch, un homme qui a dû être mêlé à l'affaire de la gare de l'Est, car son arme est identique à celle que Maître Baumann a reçue hier. Gellisch, que Madame Rotter dit avoir été un ami de l'accusé, et qui a très probablement été dans le coup de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui. On recherche aussi un photographe que nous n'avons pas trouvé et le temps presse. La question est, est-ce qu'on prend le risque d'aller faire arrêter un homme qui n'a peut-être rien à voir dans votre affaire? Derrick. Quoi? Je prends le risque. Bon, alors soyez prudent et ayez l'air le plus naturel possible. Entendu, patron. Veux-tu rester tranquille? Oh. Si jamais je t'attrape, ça va être ta fête. Bon, on rentre à la maison et c'est assez. Allez, tous en route. Souhaitez-nous bonne chance. Monsieur Derrick. Oui. Je vais avec vous. Si vous trouvez Roberta, je tiens absolument à être auprès d'elle. Oui, entendu, entendu. Vous allez venir avec nous, mais rien que vous. Maître Baumann. Surtout pas, hein? Allez, descendez, vite. Je pense que vous allez me dire ce que vous voulez. Je suis peut-être trop curieux. Vous connaissez Rotter, je crois. Ah oui, c'est un vieux copain. Allez, après. Ben, il est en train de passer aux assises. Je suis allé aux audiences et j'irai aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du verdict, non? Vous connaissez un photographe qui s'appelle Schneider? Non, j'ai aucune idée de qui c'est.
Retirez vos pattes de cette photo. Eh ben maintenant, on a l'adresse. Qu'est-ce que c'est? C'est jour de repos aujourd'hui. Ouvre, bon Dieu! Gilish s'est fait coincer. C'est pas vrai! Si vous la détachiez, ce serait plus agréable. Oh.